Hello mes amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une recette de moelleux au chocolat. Cette recette est extraordinairement chocolatée, vous m'en direz des nouvelles. Voici ce dont nous aurons besoin pour réaliser notre recette. Comme d'habitude, les ingrédients seront notés en barre d'infos, ainsi que le lien vers la recette détaillée. J'ai fait fondre mon chocolat au micro-ondes avec le beurre. Vous pouvez le faire au bain-marie si vous le souhaitez. Et je le mets de côté. Dans un saladier, je fouette mes jaunes avec le sucre jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Pensez à bien racler les bords du saladier régulièrement afin d'incorporer le sucre aux œufs. Les œufs et le sucre sont bien fouettés, la texture est légère et ils ont bien blanchi. J'ajoute la fécule de maïs tamisée que j'incorpore délicatement à ma préparation. J'ajoute le chocolat fondu et remue délicatement. Dans un autre saladier, je fouette mes blancs d'œufs en neige ferme avec une pincée de sel. Verse un tiers des blancs en neige sur ma pâte chocolatée pour la détendre. J'ajoute ensuite le reste des blancs. Je verse la pâte à gâteau dans un moule beurré et chemisé de papier sulfurisé. Le gâteau va cuire entre 20 et 30 minutes dans un four préchauffé à 170 degrés. Ça y est, le gâteau est cuit. Ce parfum de chocolat est vraiment incroyable. Je le laisse refroidir environ 15 minutes avant de le démouler. Par sécurité et pour faciliter le démoulage, je passe la lame d'un couteau autour du gâteau. À la coupe, on peut voir que le gâteau est super humide. C'est extra, comme ça il sera ultra fondant en bouche. J'ai choisi de déguster mon moelleux au chocolat avec de la crème anglaise, dont vous trouverez la recette en cliquant sur le petit i en haut à droite de la vidéo. Bien sûr, ce moelleux se déguste très bien tout seul ou avec une boule de glace à la vanille ou encore avec un peu de chantilly. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Likez, commentez, partagez et bien sûr, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bye!